إذن السلام عليكم ورحمة الله. إذن إن شاء الله نقدم مراجعة بسيطة بالنسبة للسنة الأولى ثانوي إعدادي بيك دولي. إذن بالنسبة لبعض الدروس إن شاء الله من لي ميلونج. إذن on commence par les mélanges. Définition d'un mélange. Un mélange est formé de deux ou plusieurs constituants différents. Exemple, la pâte à tarte, l'eau boueuse, l'air, le sang, l'eau, les limonades. Donc, tout est des mélanges. La deuxième, les types de mélanges. Voilà, il y a deux types de mélanges, les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes. On commence par une expérience, l'eau boueuse, l'eau du robinet. Donc, quelle est la différence entre les deux eaux? Voilà, interprétation, on ne peut pas distinguer les constituants de l'eau du robinet à l'œil nu. Voilà, les constituants ou les éléments constitués l'eau de robinet, on ne peut pas distinguer avec l'œil nu. On dit que l'eau du robinet est un mélange homogène. D'accord? Voilà. Pour l'eau boueuse, on peut distinguer quelques constituants de l'eau boueuse. On dit que l'eau boueuse est un mélange hétérogène. Voilà. Donc, si on distinguait quelques constituants dans l'eau, on dit que l'eau est un mélange hétérogène. Conclusion, un mélange est des homogènes lorsqu'on ne peut pas distinguer ses constituants à l'œil nu. Exemple, l'eau de robinet mélange l'eau et l'air, le sang, etc. Un mélange est dit hétérogène si au moins deux de ses constituants sont visibles à l'œil nu. Exemple, mélange l'eau et sable, mélange l'eau et pétrole, mélange l'eau et l'huile, etc. La troisième partie, utile de quelques mélanges. Mélange l'eau et vinaigre, alors une expérience. Alors l'eau et on ajoute une quantité de vinaigre. Après l'agitation de le mélange, voilà, on obtient un mélange, voilà, homogène. Alors l'eau et vinaigre. Pourquoi? Parce que on ne peut pas distinguer voilà, le vinaigre et l'eau par l'œil nu. Là, observation, après agitation, on ne distingue plus le vinaigre qui s'est dissous dans l'eau. Le mélange est homogène. D'accord? On dit que le vinaigre et l'eau sont deux liquides miscibles. D'accord? Voilà, on dit que l'eau et le vinaigre est un liquide miscible. Conclusion, deux liquides sont miscibles s'ils forment un mélange homogène. Alors, on passe mélange l'eau et l'huile. Expérience, alors quand on mélange l'eau et l'huile, après agitation, on obtient comme voilà, ce mélange, l'eau et gouttelettes d'eau. Si on fait l'agitation, voilà, de mélange. Après un repos, on obtient ce mélange, voilà, l'eau au dessous et l'huile au dessus. Voilà. On dit que ce mélange, c'est une émulsion. C'est une émulsion. Voilà. Le mélange s'appelle émulsion.
Non, ça, le mélange ici s'appelle émulsion avant de reposer le mélange. Observation, avant l'agitation, l'huile reste au-dessus de l'eau. Voilà. Immédiatement après agitation, le mélange est trouble. L'huile s'est dispersée dans l'eau. Se forme de minuscules gouttelettes d'huile. Ce mélange est appelé une émulsion. Voilà, émulsion. Voilà, émulsion. Après un repos de quelques minutes, les gouttelettes d'huile sont remontées à la surface de l'eau pour former à nouveau une couche d'huile qui surnage. Le mélange est hétérogène. On dit que l'alcool et l'eau sont deux liquides non miscibles. L'huile et l'eau sont deux liquides non miscibles. Mais l'alcool et l'eau, c'est deux liquides miscibles. Voilà. Voilà. Conclusion, deux liquides sont non miscibles s'ils forment un mélange hétérogène. D'accord? Voilà. Deux liquides sont non miscibles s'ils forment un mélange hétérogène comme l'huile et l'eau. Deux liquides sont miscibles s'ils forment un mélange homogène comme l'alcool au vinaigre avec l'eau. Remarque, une émulsion, voilà, mélange émulsion comme ça, voilà, l'huile et l'eau, là. Une émulsion est obtenue par dispersion sous forme de gouttelettes d'un liquide dans un autre liquide avec lequel elle n'est pas miscible. Voilà. Mélange gazeux, expérience. Voilà. La bougie brûle dans l'air. Voilà. Dans l'air. La bougie s'éteint. Voilà. Voir. Interprétation. La bougie s'éteint car elle a besoin d'un gaz essentiel à la combustion qui se trouve dans l'air. Le dioxygène, il reste dans le flacon, un gaz qui ne permet pas la combustion. Le diazote, bien sûr. Alors, conclusion, l'air est un mélange homogène dont les constituants sont le dioxygène, 21%, voilà, le diazote, la quantité plus grande, d'autres gaz, vapeur d'eau, dioxyde de carbone, voilà. On passe la deuxième partie, la dissolution dans l'eau ou la solubilité dans l'eau. Voilà, expérience, voilà, on va voir une expérience. Voilà, on ajoute une quantité de sel dans l'eau. Voilà, dans l'eau. Voilà, le sel s'appelle solité et l'eau s'appelle le solvant. Là, après l'agitation ou dissolution, voilà, on obtient, voilà, un mélange homogène, voilà, qui constitue de l'eau salée et la solité sel. Voilà, on dit que ce mélange, voilà, est un mélange homogène qui s'appelle la solution aqueuse. Observation, le sel introduit dans l'eau se dissout au soluble après agitation et on obtient un mélange homogène. On dit que le sel est soluble dans l'eau, soluble ou dissout, c'est-à-dire débat. Conclusion, la dissolution d'une substance, l'eau solité, s'appelle solité, dans un liquide comme l'eau s'appelle le solvant, donne un mélange appelé la solution. La solution. Remarque, une solution est dite aqueuse si le solvant utilisé est l'eau. D'accord? Voilà, donc on dit que une solution est une solution aqueuse si le solvant utilise l'eau. Là, la masse totale, la deuxième remarque, la masse totale du solvant est due
solité reste inchangée au cours de la solution, bien sûr. Voilà, la troisième partie plus importante, la séparation des constituants d'un mélange. La séparation des constituants d'un mélange. Comment séparer les constituants d'un mélange homogène et d'un mélange hétérogène? On commence par le mélange hétérogène, réel mutagénès. On commence par l'opération qui s'appelle la décantation. On fait une expérience. On a l'eau Boes, on laisse reposer le mélange, on obtient un liquide décanté. Voilà, comme ça, un liquide décanté. Voilà. Si on laisse reposer le mélange, on obtient l'eau et les solides. C'est séparé, on obtient on ajoute l'eau dans notre récipient ici, on obtient l'eau, ça s'appelle l'eau décantée ou liquide décanté. Séparation des constituants d'un OBOS. Première expérience. D'autres expérience, comment séparer l'eau ou d'eau liquide comme l'eau et l'huile. On utilise une ampoule s'appelle ampoule à décanter. L'ampoule à décanter. On ajoute l'eau et l'huile dans l'ampoule à décanter. On récupère l'eau dans un bichar. Quand on ouvertir le robinet, l'eau descend dans le récipient. Interprétation. Lorsqu'on laisse reposer l'eau Boes, le mélange hétérogène, on remarque que les particules solides leur se déposent au fond des récipients. Cette opération est appelée la décantation. Et on obtient après une eau décantée. Pour séparer du liquide non miscible, on utilise l'ampoule à décanter, qui nous permet de récupérer le liquide qui est en dissous dans un bichar en ouvrant le robinet de l'ampoule. Conclusion, la décantation permet de séparer certains constituants d'un mélange hétérogène. On passe à la deuxième opération, ça s'appelle la filtration. Comme vous voir dans l'expérience, on utilise dans l'expérience des récipients. On a verre à pied, entonnoir, agitateur, herlimer, c'est un récipient liquide décanté. Papier filtre. On obtient un liquide ou l'eau s'appelle le filtre. Interprétation, le papier filtre laisse passer le liquide et arrête les particules solides et on obtient au fond des récipients des verres
eau de vire, un mélange homogène appelé le filtre ou le filtre. Conclusion, la filtration permet de séparer certains constituants solides d'un mélange hétérogène et d'obtenir un mélange homogène, le filtre. On passe comment séparer les constituants d'un mélange homogène. Voilà, on utilise une opération qui s'appelle la distillation, on obtient l'eau distillée. Expérience, on utilise une expérience comme ça, qui constitue des matériaux, voilà, comme le ballon, c'est pour chauffage ballon, chauffage. Alors l'eau salée, melih, voilà, une c'est pour là l'eau, voilà, l'entrée l'eau qui entre ici et sortie ici. Voilà. Réfrigérant qui refroidissement, qui joue le rôle de refroidissement. Voilà. Et des pinces qui jouent le rôle de support. Voilà. Et Erlenmeyer, voilà, qui joue le rôle de récipient, et on obtient l'eau distillée. Voilà, conclusion, la distillation est une technique qui permet de séparer certains constituants d'un mélange homogène. La distillation est basée sur la vaporisation suivie d'une condensation de la vapeur par refroidissement au niveau d'un réfrigérant. Voilà. La vaporisation et la condensation, et après on obtient l'eau distillée, considérée comme l'eau pure. L'eau recueillie par distillation est appelée l'eau distillée ou l'eau distillat. Voilà. Voilà, on donne d'autres explications. On utilise des animations. Ou des expériences. Voilà. Pour le niveau de collège, on commence par la décantation. Voilà, on ajoute dans un verre au récipient le BOS. Comme ça. Regardez, voilà, et laisse reposer. Voilà, les solides se séparent sous forme de précipite. Voilà, et on ajoute l'eau dans un autre récipient. Voilà, des corps, précipite le dépôt, voilà, des solides, et on obtient le liquide ici, s'appelle liquide, l'eau à décanter. D'accord? Voilà, on passe d'autres expériences. Décantation 2. Voilà, comment séparer l'eau et l'huile? Placer un pichet, voilà, on ajoute l'eau et l'huile dans un ampoule à décanter. Voilà, cette ampoule s'appelle l'ampoule à décanter. Voilà, enlever l'entonnoir, voilà, et agiter
l'eau mélange. Voilà. Regardez. Voilà l'eau. Oui, refermez le robinet. Voilà, on obtient l'eau à décanter, la l'eau décantée. Et on pose ou on met d'autres récipients et on ouvertir le robinet et on obtient l'huile, par exemple. Et on passe, voilà, filtration, une expérience filtration. Voilà. L'eau a décanté. L'eau a décanté. Voilà le papier filtre, l'entonnoir. Voilà l'expérience de filtration. Voilà. Comment séparer. Voilà. Voilà. On ajoute l'eau décantée dans le papier filtre. Voilà, qui on obtient le filtrat. Voilà, comme ça. Voilà. Ou l'eau filtrée. Voilà. La distillation, la dernière expérience, comment séparer les constituants ou des éléments d'un mélange homogène. Voilà. Voilà. On obtient l'eau distillée. Voilà. Le chauffage, chauffe-ballon. L'eau évaporisée. Voilà. La première étape, évaporation de l'eau salée. Voilà. Voilà. Les gaz, le vapeur d'eau se monte. Voilà. Là, le refroidissement, l'eau qui est entrée, l'eau qui sort, sortie, bien sûr. On obtient l'eau distillée, considérée comme l'eau pure. L'eau pure. D'accord? Et voilà. Je reviens. Voilà. Et on commence d'autres parties. On explique d'autres leçons, d'autres chapitres s'appellent le sous-titre corps pur et ses caractéristiques. Là, corps pur et ses caractéristiques. Alors, le corps pur, le contraire de mélange. Alors, le corps pur qui est constitué d'un seul matière. Tous les corps qui sont constitués d'un seul matière, bien sûr. Alors, comment distinguer les corps purs avec les mélanges, par exemple l'eau minérale et l'eau distillée. D'accord? Voilà. Par des méthodes. Voilà. Par deux méthodes. Première méthode, utiliser la première soumise, la masse volumique qui caractérise les corps purs. Mais dans ce chapitre, voilà, on utilise d'autres méthodes, voilà, la conservation de la température, de la changement d'état physique, voilà, des corps. Quand la température de la changement d'état physique se conserve, on dit que le corps est pur. Quand la température
la température de le changement de l'état physique varié, on dit que voilà, le corps ici est un mélange. Alors, on commence par l'ébullition. Lors de l'ébullition ou l'évaporation de l'eau, on a une expérience, on chauffe une quantité d'eau salée. Alors, l'eau salée, c'est un mélange. On relève la température du mélange à des dates différentes, tout en suivant l'état physique de l'eau. Voilà, comme ça, voilà, le ballon, la voilà, solution d'eau salée, Big Benzene, voilà, le thermomètre, le tableau des résultats, voilà, voir ici la température, est-ce que la température se conserve ou se augmente lors de l'ébullition. Alors, quand le mélange change, voilà, d'état physique, la température reste, augmente et varie. Pourquoi? Parce que ici, le corps est un mélange. À l'aide des résultats obtenus dans le tableau ci-dessus, on trace la courbe représentant la variation de la température en fonction du temps. On obtient la courbe ici, voilà, ou le diagramme ici. Voilà, la température ne conserve pas, se varie au cours du temps. Voilà. À partir de la courbe ci-contre, on constate que la température des mélanges augmente rapidement durant le chauffage jusqu'à l'arrivée à la température 133 degrés, tandis que moment du chauffement, des changements d'état physique, la vaporisation, la température augmente toujours, mais de façon lente. Lors de la fission, on passe la fission. La fission, comme la température se varie, comme l'ébullition ou la vaporisation, la température d'un mélange varie lentement durant le changement d'état physique. La température de l'eau lors de l'ébullition et de fission, voilà, de l'eau pure. Ici, on passe la température de l'ébullition et la fission pour l'eau pure, comme l'eau distillée par exemple. Voilà, on chauffe une quantité d'eau pure. Attention, ici, l'eau pure, pas de mélange. Dans un ballon au verre, on relève la température à des dates différentes, tout en suivant l'état physique de l'eau. D'accord? Voilà. Le tableau des résultats, attention, voir la température. Voilà, la température se conserve. Voilà, quand l'eau, voilà, se change. Voilà l'état physique, liquide à liquide plus gaz. À l'aide des résultats obtenus dans le tableau ci-dessous, on trace la courbe représentant la variation de la température en fonction du temps. On obtient ici, voilà, on obtient la température reste constante au cours de le changement d'état physique de l'eau. Voilà, à 100 degrés Celsius pour l'ébullition. Pour la fission l'ébullition, la température reste se conserve à 0 degré Celsius au cours de le changement d'état physique. Alors, on résume, sous la pression atmosphérique normale, lors de l'ébullition de l'eau pure, la température reste constante sur 100 degrés Celsius, qu'on appelle température d'ébullition de l'eau pure. Sous la pression atmosphérique normale, lors de la fission de la glace pure, la température reste constante sur 0 degrés, qu'on appelle température de fusion de l'eau pure. Sous la pression atmosphérique normale, la température de fusion de 0 et la température de 100 sont deux caractéristiques de l'eau pure. Donc, en résumé, voilà, lorsque la température reste constante lors de le changement d'état physique des corps, on dit que
le corps ici, c'est un corps pur. Si la température change, voilà, au cours de la changement d'état physique, on dit que le corps ici, c'est un mélange. Voilà. Les caractéristiques d'un corps, voilà, pour les solidifications, ici, les solidifications, voilà, et la condensation, même méthode, même cas, alors on obtient voilà, la température reste constante lors de changement d'état physique, voilà, des corps, si le corps est pur. Et la température se change si le corps est un mélange. Voilà, comme ça, les corps purs, voilà, comme ce qu'on dit, remarque, lorsque une substance pure reçoit ou perd de la chaleur, il se produit l'une des deux choses suivantes. Changement de sa température sans changement de l'état physique. Changement de son état physique sans changement de la température. Alors, un corps pur est constitué de molécules identiques, c'est-à-dire de molécules semblables, mutashabiha. Un mélange est constitué d'un au moins deux substances, donc ces molécules sont différentes. Voilà, comme ça. On peut représenter un corps en utilisant le modèle corpusculaire ou le modèle particulier ou moléculaire comme suit. Voilà. Alors, mélange, corps pur. Voilà, etc. Etc. Non. Voilà. C'est terminé. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.